bâtir la maison, il te faut des 2x4, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau. 3 centaines de livres de clous et 20 tonnes de cailloux, des équerres, des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la bande de fond, point d'appui de ta maison. C'est tout d'abord un terrain. Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher et un mur de chaque côté. Des fenêtres et des portes, des lucarnes et des poutres, un escalier, un plafond et de la clarté tout montée. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la bande de fond, point d'appui de ta maison. C'est d'abord un charpentier. De laine, de la planche en pauvreté, de la colle et du mastic. Tout pas chaud, tout pas froid, tout pas peur et tout pas vent. Papier noir, jaune, des aiguilles et des pestes de carton. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la bande de pont, toi, la fille de ta maison. C'est d'abord un sac d'écu. Pour la vie de ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace. Une table et quatre chaises, une coupe de lit, tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la bande de fond, toi, la vie de ta maison. C'est une femme de dame, malouda, malouda, malouda. Tout ça dans la main et fait venir un bouleau un maçon, un contracteur, un ou deux bons menuisiers. Un sortier, puis un pain, deux ou trois poignons de clous. Un décorateur pas cher, puis un autre pour les serrures. Puis un autre pour les tapis, puis un autre pour les rideaux. Puis un autre pour les armoires, puis un autre pour la terrasse. Puis un autre pour le chemin, tu n'en finiras jamais. Et c'est ça qui est important.